après ce lookbook, j'espère qu'il vous a plu. Je pense que vous avez vu que c'était voilà un petit lookbook petit budget. J'ai essayé de vous trouver des tenues sympas mais pas trop chères. Je pense également que vous avez vu qu'il y avait pas mal de vêtements du site Banggood, tout simplement parce que j'ai fait un partenariat avec eux. Enfin, ils m'ont proposé de m'envoyer plusieurs produits. J'avais jamais testé, donc je leur ai dit ben oui pour tester. Donc voilà, je les ai testés, je les ai inclus dans le lookbook, mais je voulais revenir quand même après en aparté pour vous parler un petit peu plus en détail des produits quand même. J'ai donc reçu 4 hauts, j'ai choisi que des hauts du site Banggood. Alors bah, je vais vous les montrer un à un, vous parler des prix, de ce que je pense, de la qualité. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon ordi, voilà, j'ai les prix, j'ai les articles devant moi et tout. On va commencer par mon préféré, hein, tant qu'à faire, c'est celui que je porte. Alors, vous l'avez vu dans mon lookbook de toute manière. Je vais peut-être poser mon ordi. Je sais pas si vous voyez bien avec les petites écritures là. Voilà. Mais les verts, enfin je l'aime beaucoup. La qualité est top, on est vraiment bien dedans. La taille est parfaite. Je crois que j'ai pris une taille M. Je vais vérifier ça. Parce que ça aussi, les tailles, faut bien faire attention sur les sites chinois. Donc c'est pour ça que je vais bien vous donner la taille que j'ai prise. Comme ça, celles qui ont un petit peu la même morphologie que moi, bah, vous pouvez vous repérer plus facilement. Donc j'ai pris taille M pour celui-là. Taille M et c'est la taille parfaite. Voilà, c'est... ça correspond à un M de France. Donc voilà, celui-ci je suis pas déçue. Pour pas se tromper, vous regardez bien sur le site, il y a écrit les mensurations. Voilà, vous mesurez en fait et vous regardez tout simplement ce qui vous va. Voilà, le tour de... Il y a quoi, le tour de taille, le tour de hanche pour les bas, les épaules, voilà. Tour de la poitrine, comme ça, vous mesurez et vous voyez tout simplement si c'est la bonne taille ou pas. Donc normalement avec ça vous devez pas vous tromper, et en effet moi je me suis pas trompée grâce à ça. Donc celui-ci, je vous l'ai dit, c'est mon article préféré. Il coûte combien? 12,99€, donc c'est quand même un petit prix puisque je le trouve vraiment de qualité. Enfin de qualité, c'est type H&M, mais moi c'est là où j'ai l'habitude de m'habiller, donc pour moi c'est cool. Voilà, non, la couleur est super jolie, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de fil qui dépasse. Les écritures sont bien faites, voilà, il n'y a pas de soucis majeurs sur cet article. Donc celui-ci, je peux vous le recommander, il y a une petite capuche là. Bref, quelle bonne idée de faire ça. Donc voilà, celui-ci, j'en suis vraiment très contente. Deuxième article, alors c'est un petit sweat comme ça, je pense que vous le connaissez. Donc c'est tiré d'une des chansons de Beyoncé. Bref, j'ai trouvé, je l'ai pris principalement pour l'écriture en fait, tout simplement. J'ai trouvé ça super drôle. Et aussi un petit sweat noir, on en a jamais assez. Alors la matière, j'étais un petit peu surprise, je sais pas trop ce que c'est. Donc celui-ci coûte 12,99€. Je l'ai pris en taille M. Ouais, M. Et il était bien, peut-être que L, ça aurait été peut-être mieux, quoi que... C'est pile, hein, faut pas que je prenne du poids quoi, c'est pile. La matière, j'étais un petit peu surprise, j'imaginais pas ça comme ça, mais c'est pas si dérangeant, voilà. En fait, faut faire attention à la matière, moi c'est vrai que j'ai pas lu du tout la matière, donc du coup c'est pour ça que j'étais surprise. Mais je pense qu'en fait si on lit avant, bah voilà, on n'est pas censé avoir de surprise, il faut tout simplement lire. Voilà, sinon c'est de qualité. À l'intérieur, c'est tout molletonné comme ça là, je sais pas si vous voyez, mais c'est super doux, et c'est tellement doux qu'en fait j'ai envie de dormir avec. Donc voilà, j'ai presque envie d'en faire mon pyjama, tellement il est doux. Non, franchement, il est vraiment doux à l'intérieur, on est vraiment bien. Voilà, donc celui-ci, j'en suis contente aussi. Non, celui-ci, il est cool. Et voilà, pour 13€, c'est pas énorme pour un sweat. Ensuite, on va passer aux deux produits un petit peu plus moyen. Alors, attention, ça va sans doute vous étonner. Ta-da-ta-ta-ta. Un pull rose, oui, du rose, incroyable, en effet incroyable. En fait, je l'avais pas demandé en rose, je crois pas, hein, parce que enfin ça m'étonnerait de moi, je ne mets jamais de rose, donc ça m'étonnerait que je l'ai demandé en rose. Mais quand je l'ai reçu, je me suis dit pourquoi pas. À la base, j'avais commandé en gris normalement, donc en gris il aurait été vraiment sublime, je pense, parce que j'aime beaucoup les bras comme ça là. La dentelle sur les bras, j'adore. En rose, je suis pas sûre. Mais écoutez, pourquoi pas, au final quand je l'ai essayé, je me suis regardée, je me suis dit mais en fait pourquoi pas, hein, le rose, enfin c'est pas non plus un rose pétant quoi, c'est un petit rose. Voilà, je me suis dit pourquoi pas, il faut essayer, hein, voilà, soyons fous.
accordé, voilà, avec une tenue un petit peu sobre, quoi, du noir ou un jean, ça peut peut-être le faire. De toute façon, vous avez vu dans le lookbook avec quoi je l'ai accordé et je trouve que c'est pas si choquant. Après, j'aurais préféré recevoir le gris que normalement j'avais demandé, normal. Mais bon, tant pis, celui-ci m'a coûté, enfin il a coûté, il coûte 10 euros, 10 ou 17, là il est en promo, je crois qu'il a 10. Voilà. Sinon, les dentelles, là, en tout cas, sont de très bonne qualité. Ça se voit que si je tire dessus, ça va pas se casser, quoi. C'est un petit peu rigide, mais pas trop non plus. Mais bon, c'est de bonne qualité. La matière, là, je sais pas si elle est un petit peu... Non, un chouïa transparente, peut-être. Non, quoi que... Un chouïa, vraiment un chouïa. Sinon, la taille, c'est parfait. J'ai pris L... M. Non, L. J'ai du mal. J'avais pris en L et la taille, c'est très bien. Parfait. Voilà. Donc, écoutez. Voilà. Je suis pas déçue de la qualité. Je suis plutôt déçue de la couleur, en fait. Et dernier produit, c'est ce sweat-là. Alors, un sweat gris comme ceci, avec les manches en dentelle, avec un petit empiècement. Voilà, on voit un petit peu votre épaule. Donc, j'ai trouvé très sympa sur le site, en fait. Et là, c'est encore une fois la matière. Donc, j'étais pas sûre d'avoir une matière comme ça, en fait. Voilà, il coûte 10 euros. Donc, après, c'est pas cher, en effet. Mais sur le site, on dirait que la matière, elle est pas comme ça. On dirait qu'il est fluide. Et en fait, là, il est plutôt rigide. Enfin, je sais pas trop. Je sais pas trop, mais je l'imaginais plus fluide, en fait. Et je pense que fluide, il aurait été vraiment très joli. Là, du coup, il se tient un peu, comme il est un peu rigide, il tombe pas comme ça, là. Il reste rigide, et il est peut-être un chouïa grand. Je l'ai pris en L, je pense que j'aurais peut-être pu prendre M, mais bon, ça, après, c'est le risque quand on commande en ligne. Mais celui-ci, voilà, je crois que c'est mon article que j'aime le moins, dommage, parce que, enfin, j'aime vraiment beaucoup ça, mais c'est vraiment la matière, je sais pas, je suis pas convaincue de la matière. Donc, voilà. Après, ça se porte, hein. Ça se porte, voilà, c'est pas dégueulasse. C'est juste la matière, j'étais pas sûre, mais ça encore une fois c'est un risque. Quand on commande en ligne, on peut pas toucher le vêtement et tout, savoir exactement de quelle matière il va être. Voilà. Bon, j'espère que mon explication au final elle est 3 fois plus longue que le lookbook, mais j'avais vraiment envie de, voilà, de vous en parler en détail quand même. J'allais pas vous laisser seulement comme ça avec des nouveaux vêtements sortis dans le 16 août sans avoir de détails. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé vous le site Banggood. Je pense que peut-être je retesterai une autre fois et cette fois-ci je ferai attention à la matière du produit. Voilà, je ferai attention, peut-être je choisirai des produits un petit peu plus plus sûrs niveau matière, vous voyez ce qu'on... Enfin voilà. Bref, en tout cas, si j'en reçois d'autres, bah, je vous les remontrerai, je vous dirai si je suis ravie ou déçue. Sur ce, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve bientôt. Ciao, ciao !